Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. La grâce de Jésus-Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Frères et sœurs, nous célébrons la solennité du Saint-Sacrement du corps et du sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous vous souhaitons la bienvenue dans notre paroisse Notre-Dame des Apôtres pour notre méditation dominicale. Chers frères et sœurs, aujourd'hui, l'Église tout entière vénère et adore, dans la liturgie, le trésor que Jésus nous a légué, son corps et son sang. Saint Marc, dans l'Évangile, nous dit, pendant le repas, Jésus ayant pris du pain et prononcé la bénédiction, le rompit et le leur donnant en disant, « Prenez, ceci est mon corps. » Puis, ayant pris une coupe, et ayant rendu grâce, il la leur donna. Ils en burent tous. Et il leur dit, « Ceci est mon sang, le sang de l'Alliance, versé pour la multitude. Prenez, ceci est mon corps, ceci est mon sang, le sang de l'Alliance qui va être répandu pour la multitude. » Chers frères et sœurs, toute l'histoire de Dieu avec les hommes est résumée dans ces paroles. Ce n'est pas seulement le passé qui est réuni et interprété, mais l'avenir également qui est anticipé. La venue du royaume de Dieu dans notre monde. Ce que dit Jésus, ce ne sont pas de simples paroles. Ce qu'il dit est un événement. L'événement central de l'histoire du monde, de l'histoire du salut, de notre histoire personnelle. Dieu met son corps entre nos mains. Il se livre entre nos mains. C'est un mystère, frères et sœurs, un mystère inépuisable que nous célébrons aujourd'hui. Mystère que nous sommes invités à vivre et à contempler. Frères et sœurs, comment vivre le sacrement de l'amour que Jésus nous laisse. Dans la première lecture, nous avons entendu Moïse vint rapporter toutes les paroles du Seigneur et ses commandements. Le peuple répondit d'une seule voix, toutes ces paroles que le Seigneur a dites, nous les mettrons en pratique. Frères et sœurs, dans le sacrement de l'Eucharistie, nous mettons en pratique la parole de Dieu. L'Eucharistie que nous célébrons chaque dimanche et quotidiennement comprend alors trois grands moments. Le premier moment, c'est l'écoute de la parole. Nous le voyons par deux fois dans le livre de l'Exode, avant et après le sacrifice de l'Alliance. Par deux fois, le peuple est invité à répondre « Tout ce que le Seigneur a dit, nous le mettrons en pratique. » Et nous, frères et sœurs, que répondons-nous à chaque Eucharistie? Avant le sacrifice, dans l'écoute de la parole de Dieu et dans notre vie de tous les jours, que répondons-nous à la parole de Dieu? Le deuxième moment, frères et sœurs, est celui de la fraction et du partage du pain. Le pain et le vin que nous partageons sont pour nous signes du sacrifice de Jésus-Christ. Sacrifice qui nous libère, signe de l'alliance nouvelle et éternelle, conclue entre Dieu et l'homme. Cependant, frères et sœurs, il ne s'agit plus d'un animal, mais du corps et du sang de Jésus-Christ,
versé et livré sur la croix. Il s'agit d'un geste de communion, de destin et de vie spirituelle entre Jésus et ses disciples, entre Dieu et l'humanité, en la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est le corps du Christ. L'hostie est bien plus qu'un morceau de pain. L'hostie est bien plus que le signe du partage. C'est le corps et le sang même de Jésus-Christ qui se livre à nous, qui nous ouvre à sa mort, mais surtout à sa vie. Frères et sœurs, la communion nous fait entrer dans une intimité extraordinaire avec Dieu lui-même et entre nous. Mais peut-être passons-nous trop souvent à côté de cette rencontre parce que notre cœur est fermé, que nos oreilles sont closes, que trop de choses encombrent nos cœurs et notre esprit. Il ne s'agit pas d'un simple rite, un rite qui serait magique, mais bien d'une rencontre unique et personnelle. Pour se rencontrer, frères et sœurs, il faut être là, partager le même espace. Dieu est toujours là, mais nous, où sommes-nous? Est-ce que nous sommes réellement là, présents à la messe? Vivons-nous vraiment cette rencontre avec lui? Est-ce que nous écoutons sa parole? Est-ce que nous la mettons en pratique? Est-ce que nous laissons cette parole transformer notre cœur, transformer notre vie, notre manière de penser et d'agir? Frères et sœurs, il faut être là, là où le Seigneur nous attend. Dieu est toujours là. Il se donne à nous. Frères et sœurs, célébrez aujourd'hui le Saint Sacrement du corps et du sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Redécouvrir la joie de sa présence, présence réelle, dans l'hostie consacrée, et l'adorer toute notre vie. Voilà le mystère que nous célébrons. Mais aujourd'hui, frères et sœurs, nous devons nous demander: que de communion impréparée et désinvolte, que de refus d'aimer et de pardonner pendant et après la messe. C'est pourquoi nous pouvons laisser ces paroles de saint Augustin résonner en nous ce matin. Devenez ce que vous recevez. Devenez le corps du Christ. Oui, frères et sœurs, communier, c'est faire corps avec le Christ et se laisser transformer par lui. Le troisième moment de la célébration eucharistique, frères et sœurs, c'est l'envoi et la mise en pratique de la parole et sa réalisation en acte. Frères et sœurs, l'Eucharistie, célébrer l'Eucharistie, communier au corps et au sang du Christ, c'est vivre une rencontre unique. On ne peut savoir que cette rencontre a été effective que si l'on met en pratique les paroles entendues, qu'on manifeste dans notre vie de tous les jours que ma vie, notre vie, a été touchée et transformée par la venue du Christ en nous, dans notre vie personnelle. L'Eucharistie, frères et sœurs, ne s'arrête pas aux portes de l'Église. Elle se déploie dans notre vie de tous les jours. Elle prend place dans tous les espaces de vie. En effet, chers frères et sœurs, ce que nous recevons à la communion, ce que nous contemplons dans le très saint sacrement de l'autel, doit être visible dans nos choix, dans nos paroles, nos actes. Le corps du Christ doit transformer notre vie. Frères et sœurs, l'Eucharistie est un trésor extraordinaire, un trésor que nous reconnaissons, mais malheureusement que nous négligeons. Oui, frères et sœurs, redécouvrons aujourd'hui dans notre Église et dans nos vies ce don précieux que Dieu nous fait dans le très saint sacrement du corps et du sang de son Fils, notre Seigneur Jésus-Christ. Et demandons-lui de faire de nous, à chaque Eucharistie, une offrande agréable à la gloire de Dieu. Que l'Eucharistie
communion avec Dieu nous aide à réaliser la communion avec nos frères et nos sœurs. Loué soit Jésus-Christ à jamais.